Breaking news. Breaking news. Breaking news. Congo. Le chef de l'État congolais, son excellence Denis Sassou Nguesso, de retour à Brazzaville. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le chef de l'État congolais, son excellence Denis Sassou Nguesso a regagné Brazzaville le lundi 8 avril 2024 après un séjour de plus d'une semaine passé à l'étranger, notamment à Bakou en Azerbaïdjan et à Kigali au Rwanda. Le chef de l'État congolais, son excellence Denis Sassou Nguesso, est partagé entre satisfaction et émotion. Satisfaction pour avoir effectué une visite officielle en Azerbaïdjan, qui puisse être la première pour un chef d'État congolais. Il a par ailleurs jeté les bases de la coopération entre Bakou et Brazzaville, ce qui a abouti à la signature des accords de coopération avec son homologue azerbaïdjanais, qui balise l'établissement des relations bilatérales entre les deux pays. Émotion pour avoir assisté au 30e anniversaire du génocide des Tutsis, commémoration de sinistre mémoire, puisque c'en est bien une, rappelant à la mémoire collective l'étendue de la barbarie, d'autant qu'elle est si alimentée par des récits. Cette commémoration sonne comme un changement de cap, en dépit des souvenirs des horreurs du passé qui continuent de hanter la génération victime de cette tragédie. De retour de Bakou et Kigali, deux destinations avec deux portées différentes, pourtant la même dynamique, le chef de l'État congolais, son excellence Denis Sassou Nguesso, reste content dans ses convictions, notamment de poursuivre la construction du Congo par le biais d'une gouvernance publique en cours d'assainissement et des partenariats patiemment et intelligemment noués. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, CWebInfo et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.